Un excellent jeudi. Aujourd'hui, c'est couvert à la grandeur du Québec, à l'exception de l'Outaouais et la région de Montréal. Donc, partout ailleurs, c'est des nuages, des vents de 20 à 40 km à l'heure, des averses pour le nord-ouest de la province, même scénario au sud, tandis que du côté de Québec, en allant vers Sept-Îles, Rimouski et Gaspé, pour vous aujourd'hui, c'est de la faible pluie tout au long de la journée. La nuit prochaine, ça va cesser pour le centre de la province. Demain, maintenant, c'est le sud et l'est du Québec qui vont connaître un bon couvert nuageux, avec quelques averses pour Montréal, l'Estrie, la Beauce en allant vers le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie. Maintenant, si on regarde plus en détail pour demain, très belle journée, retour du soleil du côté de Val-d'Or. Pour le sud, ça va bien. En matinée, le soleil est présent. En après-midi, il y a un 30 % de probabilité d'averse du côté de Montréal et Sherbrooke. Québec, quelques averses en matinée. Ça devient un ciel variable en après-midi. Même scénario pour Saguenay. Tandis que dans l'est, vous, là, aujourd'hui, demain, c'est couvert, c'est de la faible pluie. On attend de 10 à 20 mm en tout. Côté température, c'est dans les normales de saison avec des vents qui seront faibles. Maintenant, pour le week-end de samedi, c'est une belle journée. Au centre de la province, le samedi, il y a un peu plus d'activité. Alors, c'est le cas là, du côté de Québec, Saguenay et Rimouski. En matinée, c'est couvert et c'est de la faible pluie. Ça va diminuer heureusement durant la journée. Côté température, retour dans les normales de saison, des vents faibles. Nous avons un beau week-end devant nous puisque, regardez là pour dimanche, ça se passe très bien. En fin d'après-midi, il y a un système qui va affecter Val-d'Or, Québec et Sherbrooke. Partout ailleurs, c'est du soleil.